Bipez-moi déjà le diable de Tasmanie, celui qui a remporté la finale de l'émission dans le van, compétition organisée par notre grand frère Bob Dylan, un monument de la culture camerounaise. En tout cas, c'était pas ça le sujet de cette vidéo. Le diable de Tasmanie vient de recevoir ses 500 000 francs CFA en main propre remis par Bob Dylan après qu'il ait gagné la compétition dans le van. Ce qui me fait vraiment froid au cœur, c'est que Bob Dylan a dit une vérité, a tapé sec au diable de Tasmanie. Il a dit « Cache que mon petit, ce n'est pas parce que tu as gagné 500 000 francs CFA que tu crois déjà que tu es arrivé. C'est même maintenant que le vrai travail commence. Donc, ne pense pas que comme tu as gagné la moi, il a dit qu'il a suivi dans les bac. Que non, entre-temps, il ne part plus au lycée, il ne part plus à l'école, que baba est l'école, que comme il a eu les 500 000 francs. Mon petit, ce n'est pas parce que tu as les petits 15 000 abonnés de TikTok, les petits 15 000 abonnés à Facebook. Bob Dylan t'a alors dit, si tu ne fréquentes plus, si tu n'as pas ton bac, hein, il ne va plus te poster dans sa page. Lui t'a tapé sec. Il a dit qu'il ne veut pas que son nom court sur la toile que oh, Bob Dylan a détourné le diable de Tasmanie, qu'il est devenu comme Happy de Foulane. Toi-même, tu as dit dans l'une de tes musiques, dans l'un de tes freestyles, que tu ne veux pas finir comme Happy de Foulane. Donc, si toi-même, tu te rappelles encore de tes freestyles, tu dois te remettre en question que « Hey, j'ai gagné 500 000 francs CFA à main propre. » Ça veut dire que je dois d'abord m'inscrire, que ce soit au lycée, que ce soit au collège, mais je dois fréquenter pour avoir bac. Tu as d'abord vu l'exemple avec Diana, non? Diana, qu'on l'insultait souvent là, qu'elle n'a pas bac. Toi-même, tu as vu l'exemple, elle a wise, comme on dit souvent, elle a wise. Donc, toi-même aussi, il faut wise. Parce que là, maintenant, tu es fier. Tu viens, tu dis, oh, c'est moi le diable de Tasmanie, le voyou du quartier, machin. Tu fais une très belle introduction, c'est bien. Pour l'instant, on t'acclame, tu es là, tu es fier. Mais il t'a dit, mon petit, le buzz, c'est pour un temps. Écoute bien ce que ton manager te disait là. Je ne sais pas qu'il te dit ça parce que s'il voulait ton mal, il devait dire que non. Gars, comme tu vois là, non, l'argent que tu as eu là, non, allons boire. Quand Bob Dylan est venu te dire en live que mon petit, il faut avoir bac. Parce que moi, j'ai suivi tes freestyles. Tu chantes bien, moi j'apprécie déjà ce que tu fais. Parmi les candidats dans l'émission de Bob Dylan dans le van, moi ce qui m'a plu avec toi, c'est que tu es cru. En fait, tu es un peu le ténor qu'on avait connu auparavant, parce que ténor ne chante plus. Excusez-moi, moi je ne lance pas les pics, mais ténor ne chante plus. Et vraiment, ici au Cameroun, il nous manque vraiment, parce que lorsque ténor chante, on le voit uniquement dans les featuring que bon, grand frère ténor, voilà le djinn qu'on a apprêté pour toi, il vient seulement. Mais ténor n'a plus cette niaque. Je me suis même dit que, mais est-ce que ténor a fait la musique uniquement pour avoir l'argent? C'est-à-dire qu'il n'était pas passionné. Il n'était pas. Mais toi, quand moi je te vois, tu es passionné. Mais maintenant, le problème, c'est que il ne faut pas finir comme Happy de Foulane. Parce que Happy de Foulane n'est plus rien. Tu as d'abord vu son petit clip où il disait la villa, oh, les blés. Où il chantait. Je ne sais même pas de qui chantait. Moi, j'ai vu ça. Il disait qu'il va avoir 1 million de vues. Moi, quand moi je causais avec mes collaborateurs, on est resté comme ça. On a dit que non. Le petit, si. Non, on a une mauvaise image de lui. C'est pour cela, moi, je te dis, dans tout ce que tu vas vouloir faire, hein, wise d'abord, et le tout d'abord, c'est qu'il faut d'abord avoir bac. Là, maintenant, quand tu as le bac, si tu veux, tu fais le désordre comme tu veux, parce que vous, ça, tu te connais qu'ici, au Cameroun, c'est que dès que tu n'as pas le bac, gars, tu peux pas. Tu ne peux pas, mon petit, tu ne peux pas. Donc, les 500 cas qu'on t'a donné, toi-même, tu as dit en live, là, que tu vas donner une partie à ta mater, comme ta mater fait le business. Tu vas donner une partie pour ta scolarité. Et Bob Dylan, je te rappelle déjà que Bob Dylan, c'est un grand frère qu'il faut beaucoup respecter. Lorsque Bob Dylan te dit quelque chose, il faut respecter. Parce que Bob Dylan t'a dit que si il apprend un jour, au cours de l'année scolaire, que tu n'étais pas inscrit
que tu as dilapidé cet argent dans les conneries, il ne va plus jamais te poster dans sa page Facebook. Toi-même, tu as vu la puissance que Bob Dylan a. Bob Dylan, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas soulever avec une main. C'est l'influenceur le plus debout du Cameroun. Le plus debout du Cameroun. C'est l'influenceur le plus debout du Cameroun. Donc vraiment, quand il te dit quelque chose, vraiment, pardon seulement, si tu veux me mettre à genoux, c'est parce que je suis comme ça en train de faire version selfie. Je ne peux pas me mettre à genoux. Parce que ici, là, je suis juste en train de te donner un conseil. Tu es un autre petit dans le game. Tu vois un peu. Tu es un autre petit. Parce que vraiment, il faut écouter ce qu'il te dit. Je ne perds pas mon temps en venant me placer. Je commence à bavarder. Non. Tu dois m'écouter. Et à un moment donné, il faut se dire, si Dieu a permis que tu aies la visibilité en utilisant le canal dans le van, une compétition organisée par Bob Dylan, tu dois te dire, c'est vrai. Actuellement, tu n'as que le probatoire. Tu vois un peu? Tu vois un peu? C'est vrai, tu as laissé l'école il y a de cela beaucoup d'années. Tu vendais les soya, tu vois? Mais tu dois te dire que si tu as eu cet argent, tu dois capitaliser cet argent. Tu vois un peu? Donc vraiment, mes chocolats diamantés dorés d'amour, si vous m'avez vu parler comme ça, c'est que j'aimerais déjà clarifier les choses. Le diable de Tasmanie a promis qu'il ira à l'école et qu'il va avoir son bac pour se lancer dans un truc fiable et pour être une icône de la musique camerounaise, surtout même le rap camerounais, parce que côté artistique là, on n'a plus les artistes qui font vraiment le rap même pur. À l'époque, quand Ténor nous livrait le rap même en question, même. En tout cas, mes chocolats diamantés dorés d'amour, je suis très fier de Bob Dylan pour ce qu'il a fait pour le diable de Tasmanie. Ça me plaît vraiment qu'il a tenu à sa promesse. Je vous ai toujours dit, l'homme c'est sa parole. Et être un homme, ce n'est pas seulement lorsqu'on a les misères. D'abord, faire des petites choses et le reste suivra. Et je vous rappelle déjà que la deuxième édition de l'émission Dans le van de Bob Dylan sera encore plus on va encore augmenter la mise. Ça ne sera plus 500 000 francs CFA. Ça sera maintenant 3 millions de francs CFA parce que les partenaires sont là comme ça. Vous avez d'abord vu que beaucoup de partenaires se sont levés. Donc je ne veux pas citer les noms parce qu'ils ne m'ont pas payé pour ça. Vous voyez un peu, ils ont payé mon grand frère Bob Dylan, mais vu que c'est mon ami justement venu le soutenir et j'ai filmé la finale dans le van qu'il a eu à faire. Alors mes chocolats diamantés dorés d'amour de la chaîne Rap Choco La Fleur TV, écoutons donc les promesses du diable de Tasmanie après avoir reçu les 500 000 francs CFA à la finale de l'émission Dans le van de Bob Dylan. Laissez vos avis en commentaire. Bon visionnage, mes chocolats diamantés et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV. On est go, bao! Thank you.
Le capitaine est là, s'il vous plaît, veuillez monter à bord.
Le capitaine est là, s'il vous plaît, venez monter à fort. Au suivi de tes noms, dites-moi le chat de Tasmanie au nord. Et la salle d'un mot, tu es la salle de Massaïdia. Avec la salle de Massaïdia, le pot des hommes, la couronne de ses quêtes, mais le bien. Et pendant le mot, c'est à nous de faire. Et Maya, la salle de la Mouaki. Roland, Bélo, il faut le Wari. Avec le rappel de l'été, tout ce qui a parlé, mais le bon humain. Top, c'est parti. Yeah, c'est la révolution, man. Je suis venu pour les coloniser, man. Ils ont peur de mon talent, mon flow, mes punchlines, de l'énergie qui les dégage, man. Y'a la rage comme un guerrier. Toi, y'a la force de frappe dans le rap, personne ne peut nier. Tu peux m'attaquer, je vais m'attaquer, je dans le rap, ta mère. Je suis venu pour hisser le drapeau du Nord. Hey, tu dis que tu fais de la drill, mandolette, tu rapportes pas. Oh, le capitaine est là, s'il vous plaît, veuillez monter à bord. Au sud, ils ont tes noms, mais nous, on a le diable de Tasmanie au Nord. Hey, la fin, tu as la fin du rap sahélien. Avec ce soir, le fond des hommes et la couronne de ce qu'il me revient. Hey, pendant un dos, mes amis de Ferry. Hey, Maya, le sang, à dos, à vous, Wangi. Et voilà, Béo, Ménifou et Wawi. Allez, Dieu, on a peur de l'autre côté. Ici, à Bagel, le mouton du Nord. Oh, my God.
C'était Rap Chocolat Fleur, ton média préféré, des concerts de vos artistes préférés, cérémonies, événementielles et j'en passe. Si tu veux faire partie des chocolats diamantés et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur, n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours être informé de nos prochaines publications. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby.